Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chef, bonsoir. Chef, pour être franc, je ne sais pas pourquoi tu m'envoies tous les pétards, les conneries des gens de l'ANC. Si Isabelle Amigan lui parle, ou M. Bamba Naburu m'en parle, ou encore Jean-Pierre Fabre parle, je peux encore écouter. Tu prends les centièmes couteaux de l'ANC et tu m'envoies leur élément audio qui s'adresserait à moi. Et tu veux que moi, je laisse mon boulot et j'écoute les zouzous. Tu vois? L'échelle là est un instrument qui sert à grimper les marches. Je n'ose pas croire que je suis à la dernière marche. Pour que tu m'envoies les conneries et les pétards des derniers de la classe. Je suis désolé. Qu'elle s'appelle Touré ou comment vous l'appelez, ou Kofi de Londres ou encore je ne sais quoi. Je ne les connais pas. Je ne peux pas débattre non plus avec eux. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Je ne sais pas. À titre égal, l'ancienne était contre. Je suis dans ça il y a longtemps. Ils n'auront pas d'argument pour m'affronter. Ils sont plus âgés que moi. Ils n'ont pas l'expérience que j'ai dans le domaine pour qu'on discute. Donc, je voudrais bien que tu élèves le débat et que tu me situes à la dernière marche en haut de l'échelle. C'était la parenthèse. Tu sais, chef, écris ce que je vais te dire. Cherche un coin de ta chambre à coucher. Si tu mets ça dans ton salon, peut-être les enfants jouant vont jeter le petit papier. Écris que Camus Ali a dit, l'ANC c'est fini. Je ne suis pas un fakir. Je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Mais ce parti-là, c'est du passé, ça. Sauf s'ils doivent jouer le jeu que Abbas Kaboa a décrit. C'est-à-dire se partager les postes électifs lors des joutes électorales. Donc, ne plus avoir affaire aux Togolais. S'ils arrivaient à maintenir leur relation avec les progressistes qui sont au pouvoir, là, ils auront toujours un salut au Togo. Et ça se comparerait à la rapine, c'est-à-dire tu voles, tu fais des petits coups là pour exister au fait. C'est ça l'ANC. Le problème de ce parti est que quand ils ont pris sur eux, de destituer Jésus-Christ Olympio, ils n'ont pas trop réfléchi. Loin. Idem pour l'ANC aussi, en Afrique du Sud. Quand vous voulez remplacer une personnalité forte et charismatique comme Jésus-Christ Olympio, il faut faire en sorte que celui que vous allez choisir soit plus ou moins supérieur à celui que vous remplacez. À la limite, si les intelligences ne sont pas les mêmes, vous devrez trouver des critères sur lesquels le remplaçant
a une valeur ajoutée que celui que vous remplacez. En Afrique du Sud, Mandela, une fois parti, ils se sont empressés de prendre Thabo Mbeki. Vous voyez, c'est à mi-mandat qu'ils étaient obligés de le pousser à la sortie. Ce qui veut dire que quelque chose ne va pas. On ne remplace pas un grand comme Nelson Mandela pour prendre un tout petit comme Thabo Mbeki. Comme si cela ne suffisait pas pour se venger même. Ils se réunissent encore et choisissent le plus corrompu, le plus idiot comme Zuma. Vous voyez que depuis, lui, il est entre tribunaux. Il est entre des juges. Et des dossiers s'empilent chaque jour que Dieu fait. C'est ça un peu l'ANC aussi au Togo. Jésus-Christ parti, on devrait plus ou moins avoir un remplaçant qui a quelques potentialités que Jésus-Christ n'avait pas. Jésus-Christ est docteur en économie. Jésus-Christ a le couvert, le paravent de son papa défunt. Jésus-Christ a le relationnel, plus ou moins. Et Jésus-Christ n'est pas un homme de terrain. Il n'est pas un homme de terrain. Donc, pour remplacer Gilles Christ au moins, il faut avoir la décence de se dire, ok, Fabre n'est pas docteur. Il n'a pas le paravent de son papa. Le relationnel non plus, il ne l'a pas. Donc, on va chercher un fougueux qui est vraiment une machine à broyer tout sur le terrain. Qu'est-ce que l'ANC au Togo va faire? Ils vont se réunir et ils vont choisir le plus idiot parmi eux tous. Et ils vont l'entourer des plus corrompus. La machine maintenant peut aller. C'est ça le défaut de l'ANC. Et quand on a fait un parti, comme nous le voyons, vous ne pouvez pas espérer aller loin avec tout ça. C'est pas possible. J'ai dit et redit, 2020, c'est la première fois que l'ANC est allé à une élection en tant que parti politique. Le résultat est là. C'est 4%. Je reprends. 2020, c'est la première fois que l'ANC a été à une élection au Togo sans les autres partis politiques. Le résultat est là. C'est 0,4%. Ce qui veut dire sur 100 Togolais, seulement 4 ont voté pour l'ANC. Je veux dire les électeurs, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir une humiliation plus que ça? Quand on a connu ce coup, là, chose la plus simple, c'est de repartir sur de bonnes bases. C'est de repartir sur de bonnes bases. Analyser froidement ce qui s'est passé et qui n'a pas marché. Et prendre les responsabilités après avoir situé ceux qui sont responsables de ça. Vous les avez vus faire ça.
Ils sont sortis et ont commencé par insulter les gens. Isabelle Amegami m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mon nom de famille a été traîné dans la poule. Ma modeste personne a été traînée dans la poule. On m'a tout renié. Et pourtant, quand je prends des pontes de l'ANC, ils sont les premiers à me dire, Camus, tu as raison. Mais devant l'ogre, appelé Jean-Pierre Fabre, tous se déculottent. Ils sont nus. Comme l'enfant Jésus. Je dis, ils sont nus. Quand vous avez affaire à un groupement ou à un groupe d'individus qui ne savent pas où aller, ne demandez pas à Camus Ali de vous dire la suite de leur fin. Puisque nous acheminons à une fin. L'ANC ne se relèvera pas. Ce n'est pas possible. Ils peuvent se relever s'ils ont fait faux et usage de faux avec le parti au pouvoir. Parce que le parti au pouvoir les veut aussi. C'est avec eux. Ils sont à l'aise pour diriger le Togo. Parce que le parti au pouvoir sait que même après 100 ans, si c'est l'ANC qui est et jouit d'un contre-pouvoir, eux, ils peuvent diriger toujours. Je me rappelle de cette scène surréaliste, un ministre de Fornia Singe, qui m'a appelé peu avant les élections présidentielles de 2020. Mais le jour-là, il était hors de lui-même. Pour la simple raison qu'on venait de retenir Agbeye Mokojo. Il m'a listé tous les bienfaits qu'Adema a fait à Agbeye Mokojo. Je dis tous les bienfaits qu'Adema a fait à Agbeye Mokojo. Pour enfin me poser cette question. Est-ce que lui-là, il peut un jour dire qu'il va affronter Fornia Singe aux élections présidentielles. Je dis, vous savez, cher ami, la vie, ce sont des choix. La vie, ce sont des choix. Je voulais lui dire qu'en France, Marine Le Pen ne s'est pas gênée de destituer son papa, Jean-Marie Le Pen. Je crois qu'il y a encore, il n'y a pas encore 5 jours, Marion Maréchal Le Pen exultait avec Éric Zemmour pour les présidentielles du mois prochain en France. Elle n'a pas soutenu sa tante, elle a soutenu quelqu'un de l'extrême droite aussi. Quand on lui pose la question, pourquoi, madame, vous n'avez pas supporté votre tante, elle dit ceci. Ce n'est pas génétique chez nous dans la famille de suivre mouton. Quand on ne partage pas les mêmes idéologies en politique. Vous voyez qu'au Togo, il y a certains noms qui doivent absolument faire la politique. Quand d'autres doivent les acclamer, doivent s'aplatir pour qu'eux mettent les deux pieds. C'est ainsi va l'ANC.
Je me pose toujours cette question au lit, en me lavant, en marchant, en discutant. Qu'est-ce que cherche un cousin si intelligent comme Gaëtan Soumarou, docteur de son état, au milieu de la pègre là, appelée ANC? C'est une pègre. C'est pas une injure, c'est une pègre. Quand je dis c'est une pègre, je veux parler des pontes, le noyau là. Il faut s'en débarrasser. L'ANC, il faut s'en débarrasser. Sinon, le Togo ne va pas souffler. Il faut s'en débarrasser et donner du coup la chance aux Togolais de vivre les fruits du bonheur, de la démocratie partagée. Sinon, ils vont nous traîner en bourrique. Ils ne sont pas pressés. C'est pour ça, au lendemain des élections de 2020, ils ont pris sur eux de faire rapidement une forme d'assemblée extraordinaire pour caler ou cadenasser l'appareil du parti. J'étais le premier à avoir dit aussi que tous les jeunes de la diaspora, de l'extérieur, qui s'excitaient à vouloir regarder dedans, n'auront pas gain de cause. Les éléments audio existent. Où j'ai dit Jean-Pierre Fabre a tout cadenassé. Il tient le parti comme il tient sa femme. Le parti là, c'est sa femme. Il tient le parti comme sa femme. C'est sa femme ça. Il ne lâchera pas. J'ai voulu dire aujourd'hui, 10 mars 2022, chef, à toi je le dis, écris ça, mets ça dans un coin de ton lit, de ta chambre à coucher. L'ANC appartient au passé. Bonne journée. De jeudi à toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.